Salut à tous, nouvelle petite matinée détection, hein. Donc là je suis dans un nouveau champ. J'avais fait un champ de l'autre côté de ce champ de maïs, donc là je vais attaquer celui-ci. C'est celui qu'un collègue de détection a fait, que j'ai rencontré la semaine dernière, et donc là normalement il devrait me rejoindre, hein, durant la matinée, s'il peut se libérer, hein. Voilà, et puis on verra s'il vient tout simplement. Et puis moi ce que je vais faire, je vais tout simplement commencer à attaquer ce champ et voir ce qu'on peut trouver. Comme c'est la première fois que je le fais, celui-ci. Il y a 2 ans j'avais fait de l'autre côté de ce champ de maïs, j'avais fait déjà ce champ, mais pas celui-ci. Celui-ci non plus je ne l'ai pas fait, celui-ci. Il serait bien que je puisse le faire aussi. Juste attendre que ça soit récolté, puis ça sera beau. Donc écoutez, ce que je vais faire, dès que j'ai quelque chose dans ce champ-là, une petite trouvaille sympathique, je rallume. Allez, tchuss. Bon allez, première trouvaille sans trou, hein, en fin de compte, regardez. Oula, j'ai déjà perdu de vue, alors je ne sais plus où elle est. Elle est là, vous voyez, à même le sol. Je viens de commencer, là, j'ai le collègue qui vient d'arriver. Voilà. Et donc là c'est une monnaie, mais à mon avis elle doit être rincée. Monnaie toute fine. Hop. Voilà. À mon avis il n'y aura plus de reste là-dessus. Ah si, quand même. Ok, ouais, vous voyez la petite couronne là. Ouais, le reste, vous voyez. Un petit blason là, avec les fleurs de lys. Ouais, ça doit être un type liard ou... Les centimes, là, centimes d'écu. Voilà. Bon, c'est cool. Allez, je ramène la prochaine trouvaille, tchuss. Allez, franchement, sans plaisanter, hein. Premier trou avec la monnaie qui se trouvait juste là-bas, au fond. Donc c'est bien un type demi-sol ou sol, je sais pas quoi, les sols à l'écu. Voilà. Et là, une nouvelle monnaie, deuxième trou. Regardez. Moi, je suppose ma peau. Hein. J'ai pas encore regardé, mais vu la taille, c'est du napo. Voilà. Et allez, hop, on va voir ça. Ouais, c'est ça, ouais. Une 10 centimes napo. Oh, je pense qu'il y aura de beaux restes. Ouais, je pense qu'à mon avis, ouais. Ouais, dans les champs, c'est rare. Hein. Ah ouais, c'est sûr, il y aura de super restes. De meilleurs restes que celles que j'ai fait dans la forêt. Parce que les deux que j'avais fait dans la forêt, franchement, ils étaient... Ouais, c'était un peu abîmé. Je pense que celle-ci, elle va bien ressortir. Magnifique. Celle-ci, je vais la dédicacer à José Pitbull. Parce que José Pitbull, c'est un petit jeune qui vient de débuter dans la détection. Il fait de super vidéos, j'adore. Et il me laisse pas mal de commentaires sur mes chaînes, sur ma chaîne, sur mes vidéos en particulier. Et donc, celle-ci, José, mon petit, je te la dédicace, cette petite Napoléon. Voilà. Oh, peut-être que tu en as déjà fait, je sais pas, j'ai jamais regardé tes vidéos, mais voilà. Donc celle-ci, elle est pour toi, José. Hein, voilà. Donc écoutez, hein, j'ai collègue qui est juste là-bas. Attendez, hop, voilà. Et donc moi, ce que je vais faire, je vais continuer. Allez, tchuss. Bon super. Voilà. Troisième trou. Troisième trouvaille intéressante, regardez. Hop là. Un petite bague à coudre. Nickel. Super. Alors, je sais pas s'il y aura des restes dessus. Hop. Je vais pas trop la frotter. Cette petite bague à coudre. Voilà. On verra ça au nettoyage. Ce que ça donne. Voilà. Allez. Bon c'est cool, hein, ça fait plaisir. Il y a déjà des super trouvailles déjà dans ce petit champ. C'est cool. Allez, prochaine trouvaille, tchuss. Bon voilà, je reprends. En compte, c'est une vidéo.
J'arrête pas. Après 2 minutes, hein, même pas. Hein. Le dé à coudre était là-bas. La bague à coudre. Et là, de nouveau, un son. Et hop. Je l'ai perdu. Là. Hop, de nouveau une monnaie. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, oh. Alors, par contre, ça, je vous garantis pas. Hein. Par rapport à son état. Ce que je vais faire, je vais pas trop la frotter. Hein. Je dirais type 5 centimes la peau, mais c'est beaucoup trop fin pour une centime la peau. On verra ce que c'est au nettoyage. Hein. Je vais pas trop m'avancer. En tout cas, ça c'est pas du napo, ça c'est sûr. Voilà, vu l'épaisseur. Oh, mais ça fait du bien, franchement. J'en suis au quatrième trou, quatrième bonne cible, nickel. Ce champ a l'air prometteur, c'est nickel. Allez, je continue à la prochaine trouvaille, tchuss. Ouais, nouvelle cible pour moi après, ouais, 5 minutes après le. Après la monnaie. Donc là, j'ai un son que j'ai hésité à creuser. J'ai hésité. Il y avait un petit peu d'aigu, un petit peu entre un aigu et un médium. Et donc j'ai hésité à creuser. Donc je me suis dit, je vais quand même creuser. Parce que des fois, ça peut cacher quelque chose. Et donc là, j'ai quelque chose. Ouais, là, voilà. Hop. Si vous pouvez voir. Ça va bien faire la mise au point. Voilà. Et on va découvrir si c'est un anneau ou pas. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un anneau. Un gros nono. Un gros nano, voilà. C'est pas un nano, hein. C'est cool. En tout cas, celui-là, il a déjà vécu, ça c'est sûr. Voilà, nickel. Bon, allez, je rallume la prochaine trouvaille. Tchuss. Nouvelle trouvaille après ouais, 10 minutes, un quart d'heure. Après là, après, c'était quoi comme cible au fait? C'était un nano. Un anneau en bronze, je suppose. Voilà. Dernière trouvaille, donc un reste de couvert. Avec des petits décors sympas. Voilà. Alors, je sais pas si c'est de l'argent. Je sais pas si c'est de l'argent, mais bon. De l'autre côté, il y a de la concrétion. Alors, est-ce que c'est de la terre ou pas? Non, non. Je suis pas sûr. Voilà. C'est joli ça, c'est pas mal, super. Bon ben voilà, donc je travaille ma prochaine trouvaille, c'est cool. Allez, tchuss. Nouvelle trouvaille pour moi, nouvelle monnaie du moins. Tout au bout la cuillère, le reste de couvert du moins. Donc là, 2-3 merdouilles. Et de nouveau une monnaie ici, elle est où là? Voilà. Hop là, elle est là. Alors qu'est-ce qu'on en a? Ça m'a l'air sympathique ça. Il y a de la tranche là-dessus ou pas? Ça rien. On a déjà frotté ici. Oh, qu'est-ce qu'on peut avoir là? Ouais, napo, 5 centimes. Ah non, c'est une Dupré. C'est ça. Regardez. Une Dupré. 5 centimes Dupré. C'est cool, bah, ce que je vais faire, je vais pas la frotter. Ah, histoire de conserver ce qui peut rester. Ou ce qui doit rester. Voilà. Ah, bien, vous voyez bien que c'est une Dupré. Hein. C'est cool. Allez, je reprends la prochaine trouvaille. Tchuss. Allez, nouvelle trouvaille ou nouvelle monnaie. Après la Dupré qui était quoi là-bas? Ah, une quinzaine de mètres, même pas. Voilà, regardez. Pam! C'est un champ de malade. Regardez-moi ça. Le petit pavé. Ouh! Regardez l'épaisseur. Voilà. Ça, c'est du pavé. La classe. Pam! Hop là! Ah ouais, il y a du poids là. Oh ouais. Ce que je vais faire, je vais pas. Attends, on va un peu frotter. Ouh! C'est une loulou? Ouais, je crois que c'est une loulou, ouais. Avec la table, ouais, je crois que c'est la table de loi là.
Ou peut-être pas, je sais pas. Ah si, ouais, c'est ça, c'est une deux saules. Vous voyez la couronne là? Voilà. Elle a un peu passé, mais je crois que c'est une deux saules, hein, c'est ça. Petit pavé, hein. Comme j'avais fait la dernière fois dans une de mes sorties détection. Hein. Voilà, où c'était le champ des moissons. Pareil. Voilà. Ouais, c'est ça, 2S. Ok, voilà. Petite deux sols. Allez, c'est cool. Je vais aller voir le collègue qui se trouve là-bas. Hein, on va aller voir ce qu'il a comme trouvaille, ce qu'il a fait. Et je vous reprends après. Allez, tchuss. Bon, allez, ben, je vais voir le collègue, voir ce qu'il a fait. Hein. Donc, ça fait quoi après une heure ouais, une heure et demie. Une heure et demie. Bilan plutôt positif hein, pour cette deuxième longueur. Donc là, ben, on va voir tout simplement ce que le collègue a fait. Voilà. Bien sûr. Tous mes abonnés verront ce que j'ai fait. Ouais. J'ai quand même quelques trouvailles. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? On va voir ce qu'il a fait, le collègue. J'ai fait qu'une seule monnaie. Mais une belle. Et une très belle. Celle-ci, on peut la montrer. Ouais. Ouais, celle-ci, on a le droit de la montrer. Ah oh là là. Une petite loulou. C'est pas beau ça? C'est ça, hein? C'est une loulou. Hein? Ouais, je pense. Et Oh super, c'est un petit clou de tapissier, c'est ça? Non, c'est mon bouton de manchette. Un bouton de manchette, d'accord. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ah. À vérifier. Ouais. Si vous savez ce que c'est, vous pouvez le dire dans la description, il n'y a pas de souci dans les commentaires. C'est cool. Ouais, et ça, ouais. Fouah. De toute beauté. De toute beauté, ouais. 1692, hein, c'est ça. Ah ouais. Ah. Ouais, je suis content. Ah ouais, c'est clair. Ah, je vais bien croire. Tiens, magnifique. Tu enverras la photo une fois qu'elle est. Ah ouais, mais il n'y a pas de souci, c'est clair. Et puis bon, bah moi, tous mes abonnés, ils ont vu déjà ce que j'ai fait. T'as fait une belle bonne. Ouais. Attends, je vais couper. Bon, je vous reprends à tout de suite. Allez, tchuss. Allez, nouvelle trouvaille, après une trouvaille que j'ai fait juste là-bas. Bon, je sais pas ce que c'est, je ne l'ai pas encore montré aux collègues. Et donc là, nouvelle monnaie que j'ai déplacée. Oup. Voilà, ici. Hop là, ici. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a là? Ouais, ça m'a l'air d'être du napo ça. On va frotter, on va voir. Ah non, c'est pas du napo ça. Oh 5 centimes encore, regardez. Encore une CRS. Je vais pas trop la frotter, j'aime pas trop les frotter ces monnaies-là. Elles sont déjà fragiles comme ça. Ouais, mais par contre ce côté il est un peu passé. Voilà. Bon ben je continue à la prochaine trouvaille. 5 centimes CRS, excusez-moi, du prix. Du puits. 5 centimes du puits. Allez, à la prochaine trouvaille, tchuss. Ouais, nouvelle trouvaille pour moi après. Ouais, là du puits qui était au bout du champ. Donc là, j'ai fait quelques merdouilles, mais rien d'intéressant. Et là, une nouvelle monnaie. Voilà, regardez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Est-ce que c'est encore 5 centimes Révo? Ouais, c'en a encore une. Putain, j'arrête pas. J'arrête pas d'en faire. C'est déjà la troisième, atelier bébé cette fois-ci. Vous voyez, voilà, atelier bébé. Donc ça veut bien faire la mise au point. Hop, voilà, atelier bébé. On va se mettre comme ça parce que apparemment c'est pas top. Voilà, ok. 5 centimes Révo. Avant celle-ci. Ouais, elle a pris un peu plus. Le temps ne l'a pas épargné malheureusement. C'est comme si ces édifices que je découvre. Voilà, quand je fais mes sessions d'urbex. En général, hein,
Avec le temps, rien ne s'arrange. Sur certaines monnaies ou certains édifices. Voilà. Voilà, et sur ce, je continue. Et après, on va s'arrêter à la voiture pour boire un petit coup. Allez, prochaine trouvaille, tchuss. Allez, nouvelle monnaie pour moi. Après, ouais, une bonne demi-heure quasiment. Après le dernier objet que j'avais fait encore un bouton que je n'ai pas filmé. Et donc là, j'ai encore une monnaie. Voilà, regardez. Hop. Et on va voir ce qu'on a là. Qu'est-ce qu'on a là? Alors. Ça m'a l'air d'être. Rincé. Peut-être quelques restes ici. J'aperçois quelques trucs, mais. Je crois que je peux peut-être me tromper ici. Il y a peut-être quelques reliefs encore. Quelques reliefs, mais sans grande conviction. Je pense qu'à mon avis, elle doit être rincée celle-là. Voilà, elle doit être rincée. Hop là. Allez, je continue et à la prochaine trouvaille. Et tchuss. Allez, nouvelle trouvaille. Après la petite pause, hein, j'ai fait une petite pause. Et donc, le collègue, il a fait une super. Super médaille religieuse en argent, elle est superbe. Et puis moi j'ai fait de nouveau, hop là, une 1 franc 1965. Par contre, ça sonnait très 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 mal. Seulement quand je l'ai sorti un peu, là ça c'est bien, ça sonnait bien. Voilà. Bon allez, je rallume ma prochaine trouvaille. Là il y a l'agriculteur qui doit être dans le coin, là. En train de récolter son maïs de l'autre côté, donc c'est bien. De nouvelles terres à récolter. Allez, tchuss. Bon, allez. Bilan de la fin de la sortie détection. Alors, pour le doyen, regardez. Une super belle blanche. Ouais. Donc, c'est quoi alors, tu penses? Oui, 15, oui, 14, je pense. Je vois pas bien. 1600. Ouais, 1622. Hein, ouais, 1622. 62 ou 22, ouais, 62. Un truc comme ça. En tout cas. Ce côté-là, bien, par contre, ce côté-là, il est. Dans quel sens? Ouais, celui-là, la couronne, elle est en haut. Ouais, magnifique. Ouais. Ah, là en dessous, il y a le A. Je sais pas si ça correspond à Paris, je sais pas. Bah ouais, avant, c'était Paris, ouais. Mmh. Après la Révolution, c'était B. Ça, non? Non, Paris. Toujours, ah, toujours pas. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a là? Une 5 centimes Revo. Elle est magnifique celle-ci. Par rapport aux miennes, où là, la patine, elle est magnifique. L'an. Une lance 5 ou 6. Ouais, bébé. Ouais, atelier bébé, ouais. Un petit pins. Voilà. Avec la petite attache. Un petit bouton. Pas sûr à des restes, ça fait toujours plaisir de trouver un petit bouton. Ça c'est un bouton de manchette. Ouais. Ah, jumelle à côté. Enfin, la petite sœur. Ouais. Regardez, et celui-ci est magnifique. Voilà. Et t'es en plaqué or derrière, tu vois. Et derrière en plaqué or, ouais. Ça brille, magnifique. Ah, c'est beau. Ça. La petite clé de montre, ça j'en ai jamais fait des comme ça, c'est original. Elle est jolie. Après l'anti-bredouille, le pfennig. Et puis là c'est pareil, type d'été, il y a, on lance ça. Voilà. Ça vaut savonnette. Voilà, et puis pour moi, je sais pas si ça reste de boutrolle, hein. Mais je pense pas. Ça aucune idée. Ça sonnait, donc j'ai creusé. Après le napo 1856, voilà, atelier bébé. Après un petit anneau en bronze, petite applique de meubles. C'est là que je n'ai pas filmé, hein, par contre. Voilà, le petit phénix aussi, mais alors là, celui-ci je l'ai pas filmé, mais il était complètement flingué. Flingué, tu es flingué. Là, c'est pareil, une monnaie, aucune idée.
On verra ça au nettoyage, hein, ce qu'il y a. Je mettrai quelque chose s'il y a des restes sur la vidéo, tout simplement. Après, là, un franc, 1962, 65. Non, 62 n'existe pas. En 65, ouais. Voilà, encore une 5 centimes, atelier bébé, et c'est là pareil, flingué, encore une deuxième 5 centimes là, voilà, pareil, flingué, encore une autre, atelier, ah, celle-ci, voilà, désolé, ça a coupé, plus de place sur le téléphone, donc là je disais l'atelier A, l'an je ne sais pas quoi, l'an, aucune idée. Il y aura ça pareil au nettoyage. Voilà. La Louis XVI, la deux sols, hein. Celle-ci aussi. Il n'y aura pas grand-chose à tirer là-dessus. Ça fait quand même plaisir. Après, trois boutons. Petit bouton bombé, petit bouton plat, la bague à coudre. Voilà. Super. Petite monnaie aussi, pareil. Petit centime Revo. Ou avant. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on avait encore, ouais, pareil, ceci aussi flingué. Voilà, donc bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, hein, tout simplement, et puis je vous dis à plus, hein. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et puis à lâcher un commentaire et puis un petit pouce bleu. Allez, je vous dis à bientôt, que les pieds, pas la tête. Je vous montre la tête, après je suis obligé de la masquer. Voilà. Donc on vous dit à plus. Allez, tchuss.